à nous placer. Notre candidat s'appelle Alassane Ouattara. Je n'ai aucun doute qu'il soit élu, mais je veux que ce soit un plébiscite. Paris, capitale française. Ouattara Dramane, secrétaire national en charge des militants de l'extérieur du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, s'adresse aux nouveaux délégués de zone. Des nouveaux délégués de zone du RHDP en France qui viennent de recevoir leur feuille de route et les objectifs spécifiques qui leur sont assignés en vue de la préparation de la présidentielle de 2025. La feuille de route, elle est là, tout est clair là-dessus. Et on suivra beaucoup les réseaux sociaux et on va rendre compte comme il se doit. Je suis vraiment content de la confiance renouvelée que le parti a en place en moi. Donc c'est une mission accomplie et continuer à travailler pour la réélection de Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire, pour notre boussole. Une réorganisation portée par Tidiane Koné, délégué secrétaire pays RHDP en France. Le délégué extérieur au pays France, M. Tidiane Koné, a bien voulu réorganiser la délégation de France. En créant, au lieu d'une seule délégation de zone habituelle, il y en a créé maintenant 3 au niveau de l'île de France et 4 au niveau des autres provinces. Donc nous sommes venus apporter notre onction. Une vision à laquelle la direction du parti adhère totalement. Tous ceux qui sont proches du RHDP, qui aiment le président Ouattara et qui apprécient ce que le président Ouattara fait pour notre pays, je les appelle au rassemblement et à la remobilisation. Les militants du RHDP préparent le terrain pour la présidentielle de 2025.